Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Partage d'expériences entre associations burkinabais et ghanéennes sur la maraîcherculture et les semences locales. Une visite de femmes du Ghana à Fadangourma a permis de conjuguer les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Les droits de l'enfant et l'éthique professionnelle, c'est au centre d'une formation dont les principaux bénéficiaires sont les membres du réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Les participants vont renforcer les connaissances sur les instruments juridiques en matière de protection des droits de l'enfant et mieux cerner les phénomènes de traite des enfants et de pires formes de travail. Reportage Roger Kam, Maïmouna Traoré. À travers cette formation, le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACODE s'inscrit dans une logique, celle de comprendre les droits de l'enfant pour mieux le défendre. Dans ce cadre-là, les journalistes sont essentiels parce que par leurs activités de plaidoyer, de sensibilisation et de promotion des droits de l'enfant, ils sont des alliés essentiels, des vecteurs essentiels pour la mise en œuvre des droits de l'enfant. Un conclave de journalistes pour parler de la question de la protection de l'enfant est vraiment un grand plus dans les actions que le ministère entreprend. On ne pouvait pas espérer meilleure tribune pour partager donc ce volet important des attributions de notre ministère. Avec ses experts suisses et français, ils passeront à la loupe le phénomène de la traite et des pires formes de travail des enfants, les techniques rédactionnelles en la matière, le processus d'identification de sujets adaptés pour une lutte efficace. Quand on interviewe un enfant victime, il faut par exemple respecter la confidentialité, ne pas montrer son visage, ne pas donner son nom, etc. Pas seulement les enfants victimes d'ailleurs, mais aussi les enfants auteurs de crimes ou de délits. Il faut les protéger parce qu'ils vont grandir et ils ne doivent pas être prisonniers de ce qu'ils ont subi ou fait pendant leur enfance. La formation dure 3 jours et permettra aux membres de l'IJACODE de se familiariser avec les instruments juridiques les plus pertinents en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Le projet sur le financement basé sur les résultats va bientôt être évalué. Pour mener ce travail de fourmi, 250 agents enquêteurs sont formés à Bobo-Dioulasso depuis hier. Une formation de 3 semaines qui permettra d'évaluer les FBR, un projet conduit par le centre Mirage situé à Sia. Reportage Hassan Gourou Moussa Sanon. Ces hommes et femmes renforcent leurs capacités sur l'utilisation des outils de collecte et la conduite des entretiens auprès des populations cibles. Cette formation est une des activités préparatoires de l'enquête finale pour l'évaluation de l'FBR, le financement basé sur les résultats au Burkina, un projet mis en œuvre par les centres Mirage de Bobo-Dioulasso. Le FBR est une intervention, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme un paquet d'activités que nous avons mis en place. Il faut voir réellement est-ce que ça a changé les indicateurs, est-ce que ça a changé la fréquentation des services de santé et leur utilisation par la population, est-ce que ça a amélioré la qualité des soins qui sont fournis. Outre les centres Mirage, les partenaires du projet qui sont entre autres la Banque mondiale, l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Université d'Heidelberg en Allemagne attendent beaucoup de cette enquête. C'est vrai que le programme est implémenté depuis 3 ans. Il y a eu un travail avant, un travail pendant. Et maintenant, il faut vraiment de la rigueur pour mieux orienter les politiques dans les décisions futures. C'est cela que nous avons comme peut-être appel à faire. Les résultats de l'évaluation, ça va nous permettre de tirer les leçons, notamment les insuffisances qui ont été constatées lors de la mise en œuvre, afin de les corriger. Ça va permettre au ministère de la Santé de faire des choix pertinents en termes de financement du système de santé. C'est là aussi l'un des objectifs du FBR, une nouvelle stratégie de financement des services de santé et expérimentée au Burkina depuis 2013. Partage d'expérience entre des femmes venues du Ghana et leurs sœurs du Burkina, particulièrement celles de la région de l'Est. L'association Nourrice, qui fait la promotion de l'agroécologie, a accueilli leurs consœurs ghanéennes du Rural Women's Farmers Association. Foire culinaire et visite de sites maraîchers ont été les temps forts de cette rencontre. Fadangourma Mahamadi Wedrao. Des femmes venues du Ghana sont en visite d'exploitation céréalière avec leurs sœurs burkinabè dans la région de l'Est.
Cette visite de courtoisie, émaillée d'expositions de mets locaux et de semences locales, mais surtout de constats de sites maraîchers, a permis de tisser des liens entre ces femmes des deux communautés. We have learned much about gardening. Nous avons beaucoup de maraîchers. On a aussi le temps ancestral que le Ghana a abandonné, mais ça nous a suscité l'esprit de créativité. Donc nous allons nous mobiliser chez nous pour ne pas les abandonner, mais plutôt les adapter aux conditions climatiques actuelles, car c'est très important. L'initiative est de l'association Nourrissant Détruit, ANSD. À travers cette coopération, l'ANSD entend créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de prévention de semences locales. Le Ghana, avec nous, a un partenariat qui date depuis au moins quelques années parce que nous avons des projets communs sur l'autonomisation des femmes, nous avons des projets communs sur le rôle des femmes dans l'identification, la production, la préservation des semences locales. Donc nous pensons que c'est une opportunité aussi de les inviter pour que les femmes aussi puissent se connaître et chez et puis bon, s'enrichir mutuellement. Trois communes de la région de l'Est, à savoir celles de Tibga, de Bilanga et de Gaïri, ont abrité ces différentes activités de l'ANSD. Des activités qui s'inscrivent dans la dynamique de commémoration de la Journée internationale de la femme. Les routes nationales encombrées, les jours de marché au Burkina foisonnent. À Dibasso, dans la Kossi, la Nationale 14 connaît des encombrements monstres le jour de marché. Camions, charrettes et marchands occupent cette route malgré les multiples interpellations de la mairie. Et devant le statu quo, les premiers responsables de la commune étudient des mesures de protection des usagers. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouattara. Des camions stationnés par-ci, des légumes étalés par-là, nous sommes sur la route nationale numéro 14 qui traverse la ville de Guibasso, à une quarantaine de kilomètres de la frontière Mali-Burkina. Commerçants et conducteurs se côtoient sur la voie. Difficile de traverser librement la ville le jour du marché. Le marché de Guibasso a lieu chaque jeudi et draine du monde. Des commerçants qui viennent du Burkina et des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Et l'encombrement de cette route nationale est un constat qui frappe à l'œil selon le premier responsable de la commune. C'était bon même que ces gens viennent soit la veille ou encore, en tout cas, un jour autre que le jour du marché. Là, ils peuvent venir garer un peu, descendre le matériel avec moins de problèmes. Ces occupations anarchiques aux abords de cette route posent de réels problèmes d'insécurité dans cette ville le jour du marché. Plusieurs fois interpellés à ce sujet, les commerçants font la sourde oreille. Bon, c'est pas permis. Ils nous ont donné à l'intérieur, là, à la gare, à l'intérieur, oui. Mais bon, comme nous, on ne vient ici que les jeudis seulement, bon, nos stationnements ne tardent, c'est pas, on ne tarde pas ici. On vient matin à 8h et puis midi, on s'en va. Imaginez quelqu'un qui vient d'un côté, s'il y a un camion, il ne voit pas. Finalement, il peut y avoir vraiment des accidents sur la voie, hein, au centre-ville, au niveau du marché. Et c'est ce qui est dommage. Effectivement, il appartient d'agir vite pour éviter de tels désagréments. Et on peut donc faire cela avec l'appui des forces de sécurité qui peuvent nous aider. Je pense à chaque fois qu'on va intervenir, je pense qu'ils nous comprennent. Certes, au fil des années, l'espace du marché est devenu restreint, mais s'exposer sur la voie publique est inacceptable selon le maire de la commune de Guibasso. Culture, le binon, une danse traditionnelle très répandue dans le Sangié, se pratique lors des périodes de réjouissance. Mais pas seulement. À Goundi, localité située à 9 km à l'ouest de Koudougou, la troupe Zinizio s'investit dans la promotion de cette danse. Ses membres viennent d'horizons divers, mais sont unis par le binon. Leur portrait avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mare. Sur cette scène à ciel ouvert, le son se met en mouvement sur la mélodie des tam-tam. C'est une danse traditionnelle propre à la communauté Gouroussi. Danse de force, le binon est écouté ici par la troupe Yidizou de Bondi dans la commune de Réo.
La troupe a été créée en 2003 à Goundi. La culture, en tout cas, en fait, où on forme des enfants au niveau des écoles primaires et puis au niveau des secondaires aussi. La troupe compte une vingtaine de membres, des danseurs et des tamtamistes de divers corps de métier, mais aussi des élèves. Raoul Besson, lui, est enseignant. Sa passion pour le binôme remonte à la classe de 5e. Simple danseur au début, il a pu gravir des échelons pour se hisser aujourd'hui au rang de directeur artistique de la troupe. Bon, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, on peut y arriver si on est dévoué. En tout cas, moi, j'ai une troupe obstacle. En faisant les dîners. Nombreuses troupes astillus dans la mosse du Binon, dans cette partie du pays, mais peu arrivent à un soleil. La première difficulté, c'est le manque de spectacles. Il y a certaines religions ou certaines personnes qui ne veulent plus voir quelqu'un danser. Plus de cela, bon, il y a aussi le manque de moyens pour ces troupes-là, pour avoir le matériel nécessaire et même l'accoutrement. Parce qu'il faut se présenter aussi beau. Joseph Bazier est grillé au sein de la troupe. Son instrument de musique est un compagnon de tous les jours. Une passion qui n'emballe pas la jeune génération. Nous, on essaie de faire tout possible pour qu'on, il faut pas qu'ils vont oublier la culture, mais vraiment, il y a d'autres qui s'intéressent et il y a d'autres qui s'intéressent pas. C'est leur culture. S'ils vont laisser ça tomber comme ça, c'est pas bon. Au compteur de la troupe Yenizou de Goundi, 3 participations à la SNC. Et l'un de ses défis majeurs, récolter et exporter des rythmes nationaux au-delà des frontières du pays. La revue de presse des quotidiens de ce mardi avec Vincent Tiendéo. Grogne des dires de publication des organes privés à la une du journal Le Quotidien. Le quotidien ouvre largement ses colonnes aux responsables de ces organes qui partagent tous la même préoccupation, des factures payées. Et leur principal débiteur, l'État. Les factures s'accumulent, les procédures se compliquent et du coup, les journaux sont dans une posture où la trésorerie ne fonctionne plus normalement, se plaint le directeur de publication de l'économiste du Faso interrogé. Une situation qui constitue pour eux un goulot d'étranglement et si rien n'est fait, il y aura beaucoup d'organes qui vont fermer, affirme-t-il. Et ça commence déjà avec le journal Notre Temps, étouffé par l'administration publique, titre l'observateur Palga, qui reprend le communiqué de ce quotidien annonçant la suspension de ses parutions pour incapacité de fonctionner en raison de quelques dizaines de mille francs CFA dus au journal. Toujours dans l'Obs, le cas Ama Amadou, l'opposant nigérien condamné hier à Niamey à 1 an de prison ferme, dans l'affaire de trafic de bébés. Véritable scandale politique ou simple cabale pour liquider le troublion de la scène politique nigérienne, s'interroge le journal. Le négligeur entre entrer et affronter courageusement des saints ou rester définitivement en exil, synonyme d'une mythique. Le pire voyage Tidifis, nouvelle fuite de l'opposition congolaise en Guinée-Conakry, sollicite les facs la résolution de la crise en RDC. Mais le journal se demande si Condé pourrait rééditer l'exploit en Gambie avec de la complexité du cas congolais. C'est une occasion pour lui de se dire encore plus grand, mais comment? Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie RTD.